les chiffres sont là en augmentation. Il y a d'abord des choses qui ne coûtent pas l'argent, appliquer la loi, et on ne peut pas refuser le plein. Appliquer la loi, on ne peut pas refuser le plein. Donc celui qui refuse le plein, celui ou celle, doit être sanctionné. Donc, il faut la sanction pour ceux qui n'appliquent pas la loi. Ensuite, donc, la plainte, c'est très très important. Et ça, ils ont deux portes de plainte. Là, ils s'appellent 14 fois, je vous dis encore 17 fois, Lucille 5 fois. Donc elles font un signe, où est-ce qu'on les revoit chez elles, quel est le lieu où elles sont les plus en danger. Je ne sais pas. Donc, le dépôt de plainte, comment on peut. Après, enquête, éviction de l'agresseur, c'est presque obligatoire. Centre d'hébergement, alors, on commence à parler d'argent, parce qu'il faut bien ces victimes avec enfants qui ont été sous entier psychologique occupés, qui ont eu de l'argent pour rien, pour pouvoir les tenir. Avec les aides, on voit sur la partie. Par comment on n'aurait pas d'argent. Voilà des endroits, alors, des hébergements pour les victimes, des hébergements pour les agresseurs, des agresseurs, des soins, avec la formation de la police, des gendarmes, des magistrats, les médias ne voient plus que ça ne voit plus être au niveau des chiens écrasés, un homme assassiné, une femme, ce ne sont pas des affaires privées, ça regarde l'État, le ministère de l'Intérieur doit prendre ce dossier, doit prendre ce dossier plus urgentement. Ouais, juste deux questions de plus. Allez, désolé. Alors, c'est bon pour. Alors, ouais. Je vais regarder. Il faut que. Oui, quand même, voilà, là, on va y arriver. Voilà. D'accord. Ouais. Juste après. C'est vrai. Merci. Cet événement est absolument essentiel. D'ailleurs, c'est dramatique qu'on ait besoin de le faire. Parce qu'en fait, le nombre de femmes victimes de féminicides, il existe, il est là. Donc c'est Cécile Maïfer, je suis la présidente de la Fondation des Femmes. La Fondation des Femmes, c'est la fondation de référence en France sur les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Grâce aux dons qu'on reçoit, on va appuyer les initiatives qui nous paraissent les plus impactantes pour améliorer la situation pour les femmes en France. Quand on a rencontré cette année la famille de Julie Douib, qui a été assassinée en mars, ça a été pour nous une évidence, un électrochoc. Il y a en ce moment en France une urgence absolue. Une urgence absolue. Il faut et on peut sauver des vies, sauver les vies de ces femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui expliquent, qui alertent qu'elles sont en danger de mort et qu'on ne protège trop pas, qu'on ne protège pas ou trop peu. Il y a des mesures d'urgence qu'on peut prendre et Caroline vous les expliquera. Il y a des mesures aussi à moyen et à long terme parce que ces meurtres, elles arrivent parce qu'il y a des violences faites aux femmes, parce que nous sommes dans une société inégalitaire, parce qu'il existe encore en France un système patriarcal qui fait que les hommes tuent les femmes. Il faut donc la mobilisation de toutes et de tous et c'est pour ça qu'on appelle un Grenelle des violences faites aux femmes, qui ne soit pas un énième plan de communication, parce qu'il s'agit de vies de femmes qui sont en jeu, et les vies de femmes, elles méritent qu'on y prête de l'attention. Elles exigent qu'on y prête une gravité, la gravité qui est, est-ce qu'on va ou non sauver ces vies, sauver ces femmes. Donc en ce moment, en France, il y a des femmes pour qui l'action politique est une question de vie ou de mort. En ce moment, en France, il y a des femmes pour qui l'action politique, le discours politique, est une question de vie ou de mort. C'est donc trop grave, et on en appelle à la responsabilité de nos dirigeants, et à la tête de nos dirigeants, c'était évidemment Emmanuel Macron, et au Premier ministre. On leur demande de faire preuve de responsabilité face à ce massacre, parce que des vies sont en jeu, et ils peuvent aujourd'hui, s'ils agissent fortement et rapidement, sauver des vies. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort quand on est responsable politique que de sauver des vies de nos citoyennes qui sont aujourd'hui menacées? Alors merci aux familles dont la douleur est immense, mais dont le courage est encore plus grand. Et évite les tragiques. Que les mêmes problèmes qu'on vit aux mêmes horreurs. Les solutions existent. D'autres pays les ont appliquées, notamment l'Espagne. Si l'assassinat de ces femmes est enfin pris au sérieux en France.
Il y a une Maëlle qui nous fait l'honneur d'être présente, qui va nous faire le canton à l'honneur de 74.